Et salut à tous, c'est Dorobaba. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre aventure sur Bayonetta. Bayonetta 2, bien entendu. Donc, chapitre 14, la chasse aux sorcières. On va d'abord passer au magasin rapidement. Ouais, comme ça j'en ai profité pour augmenter ma vie un peu plus. Donc là, il va falloir remonter à 50 000 pour en racheter un deuxième de cœur. Et acquérir aussi de perles. Une perle lunaire. Alors, c'est parti pour ce 14e chapitre. Mais c'est un Metal Gear! Metal Gear! Metal Gear! On peut conduire et piloter ce Metal Gear! Incroyable! Ah oui, d'accord. C'est pour compter des monstres géants. Pour le Metal Gear. Salut Lexa, ça va et toi? Quel plaisir ce Metal Gear! Un régal! Metal Gear! En plus j'ai l'apothéose, ça va être drôle. Ah oh, t'as pas reçu la notif, bizarre. J'ai oublié de le mettre sur Twitter mais...
Oh, la musique de fond est incroyable. Je sais pas si le son du jeu est assez fort. Et s'il est pas trop fort par rapport à ma voix aussi, parce que j'ai fait 2-3 réglages et je sais pas si j'ai pas trop bougé les jauges. Il faut que j'aille où? J'ai peur là? Ah ouais, fallait aller par ici. Hop. Grand coup de latte. Hop. On s'en fout. Oula. Oh, l'a défoncé. Il a cassé la gueule. Je te l'ai déplaqué là. Lui il est sûrement tué. Ah bah il est tombé. Incroyable. Oh. Voilà, tu dégages. Oh putain, ok d'accord. J'ai esquivé la première mais pas la deuxième. Je
Et tiens, bouffe. Et il a pas pris le dernier coup. Apothéose. Incroyable. Allez, que la pluie, il y en a encore. Ah ok, ça pète son bouclier. D'accord. Faire un petit peu de santé. Bam. Ça c'est fait.
C'est pas fair play, mais bon. Il m'a tellement saoulé que je l'ai défoncé en 48. Explosion. Et une fin de chapitre 7 et on est à 50 amis, donc on pourra racheter un cœur dans la boutique. Les boucles de ruines sont désormais en vente chez Rodin. Et un nouvel adversaire en double apothéose. Chapitre 15, la vérité. Enfin, nous allons connaître la suite. Pour encore en acheter un pour 70 000. On dira 40 000. Hop, on quitte les portes. Tour de l'horloge. Merde. Je pensais qu'elle l'avait touché, que ça allait le projeter en fait. Non, il vient flouter sur moi. Hop, donc elle le défonce, moi j'arrive derrière. Non. Lui est sonné. Profitez. Pas d'autres équipements récupérés. Merde. Voilà. Schlack. Hop, un petit coup de lettre. Hop, esquive, t'es mort. Allez, maman. Hop. Ouf. Oh, il l'a défoncé, quoi. Ah,
Ah, j'ai voulu tuer, mais elle a un stylet, j'ai pas réussi. Allez, encore un de moins. Ils envoient quoi? Ah, le géant là-bas, là? Ok. On peut plus avoir les robots géants, là? Pour les défoncer, il y a beaucoup plus vite, hein. Ah putain. Il y en a un qui est sonné sur les deux. Ok, c'est rétabli, mais là, il va mourir. Oh putain. Allez hop, c'est fini, je peux finir la poteuse. Paf, dans ta gueule. Oh là. On lui sonne. Un côté ose. Merde. J'ai mal placé sur les skis. Elle est passée mais derrière. C'est chiant de ma gueule. Hop, il a nouveau sonné. Oh, l'équipe part dans sa gueule. Et voilà! Finition au pistolet. À la foutre! Ça lui apprendra! Ah merde, ils ont pété la tour de l'horloge! Bon, ils sont généreux, ils donnent de la vie. Je pense qu'on va se retaper un gros boss derrière.
Qu'est-ce qu'il fout là? Plutôt vif cet enfant. あんた誰？そんなことより今ちょっと大事なところでね。一番厄介な魔女と賢者が残っていて、その二人を早いうちに始末しておきたいのです。二つに分かれた僕の力、世界の目を取り戻すためにね。何ですって？未来へ逃げた僕に力を渡すわけにはいかない。だから君に邪魔されたら困るのです。 Le petit bâtard, l'optre. Avec ses six bras là. Ah ouais, non mais là il m'a éclaté. Ouais, non mais là... assez chaud là. T'as sûr, c'est des fois je crois que je suis dessus, en fait pas du tout quoi. Non, c'est pas mille. Elle a mis un coup de tête dedans. Hop.
Ok, il est sur sa dernière barre de vie. Putain! De l'aigle. Pas le corbeau, putain. Oui! On l'a eu! Petit bâtard, cet enfant. C'est heureux, lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, mais là on est revenu dans le présent. Donc on est avec le mec, enfin celui qu'on protégeait de base. Vallée du croissant et de l'aube. Ah, attendez, parce que du coup mon casque, parce qu'il n'y a plus de batterie, donc je vais le brancher. Hop. Où est le port USB? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Jamy? Qu'est-ce que c'est que cette merde, Jamy? Ah, trouvé. Voilà. Alors. Mais ça me rappelle un combat dans le 1, ça. Putain. Allez, attaque sadique sur 1 déjà. Non, les feux tournés. Voilà. Un de moins. Il y a de la vie. Hop là. Ah, c'était trop stylé. J'ai récupéré la vie, j'ai fait la petite esquive ralentie là. Et après je l'ai défoncé.
Elle est morte. Et bam! Dans ta gueule! Donc il tue quand même Rose. Être capable d'emprunter la voie des sorcières en ce lieu. Fin du chapitre 15. Déjà ? Il va très vite ces chapitres-là. Quel nouvel adversaire ? Alors, le chapitre 16, pouvoir souverain. C'est parti. Je vais passer pour acheter le dernier cœur. Parce que je crois que je suis même pas à 30 000 et il en faut... 110 000, je crois qu'on a vu tout à l'heure. Bon, je revois vite fait dans le magasin. ここは戻ったわ。私の時代にフィンブルベトルに行かなければ。そこに何が？わからない。ただ一つ言えるのは、かつて神が住んだと言われるあの山で世界の目が狙われている。世界の目が？だがここからどうやってその山まで？ 飛び降りるわよ。何？走って。ここから飛び降りるのよ。正気か。いつでも正気よ。私たちは。haha, c'est Jeanneux avec un F16. Un putain de F16. それより随分素直になった。 私についてきてくれるなんて。それよりお前、なぜ私の名前を知っている？え？さっきあのローサって魔女があんたをそう呼んでいたじゃない。
とにかくこれでフィンブルベトルまでひとっ飛びよ。そう簡単にはいかないようだぞ。あら、あの子たちお互いお友達になったのかしら。だったら私たちも仲良くしないとね。ひとまず休戦だ。奴らを片付けるまではな。上出来。楽しいダンスパーティーになりそうね。 Jade Fighter Assault. Alors, esquive, missile coup de poing, taillade chargée, cabré, dirigé, piqué. Ok, c'est parti. Il y a un système d'auto-visée, c'est trop bien. Avec le poteau aussi prend ses coups. Esquiver par l'entier le temps, mais trop méchant dans sa gueule. Oh, ce qu'il perd. Voilà. Putain, l'apothéose, les énormes missiles qui prennent dans la gueule. Merde. Ok. Plus beaucoup de vie, mais au moins si on meurt, on sera ici.
Ok, à moins. Ok. Fin du RC2. こんな目に遭うなら小さな女の子の子守りの方がマシだぜ。だが迷わずここまで来られたのはこのお守りのおかげかな。よし着いたぜ。御所物新年だ。もっとも招待状はもらってねえから入れてもらえるかどうかわからねえよな。 Bien, détrompe-toi, Lucas. Aïté, ようやく思い出してくれたようですね。犯人前とは人聞きの悪い。今や力は全て私の手にあるのですよ。ただ一つ、采配の力を除いて。そうでしょう。残りかすさ。 Ah, peu de vie. Un peu plus. Bah voilà, je me pointe full life. Formidable. Je vais peut-être au moins prendre la perle. Akumaには人の心が読めるんだ。何々?金に糸目はつけないわよ。だと?そりゃありがたい。 Ah, il a 70 000 le cœur. Ah putain. Ouais, bah, je vais garder pour le cœur. Et on va mettre fin à notre épisode là, comme ça. On va se garder la suite des révélations en prochain épisode. Donc merci de vous avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si ça vous a plu. C'était Zorobama et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci à tous. Inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity.